Salut Thomas, on est à l'aéroport de Manchester. Là, oui, petit débrief de. Salut tout le monde, ça y est, ce sont déjà les quarts de finale de cette Ligue des Champions QV 2021-2022. Et oui, on rentre dans le vif du sujet de la compétition avec des affiches de plus en plus sexy et notamment ce Chelsea-Real Madrid, un match tout particulier pour Thibaut Courtois et Eden Hazard, ancien Blues, un peu plus pour Courtois qu'Hazard qui est blessé et qui va donc probablement manquer la fin de la saison, lui qui s'est fait opérer pour se faire retirer sa plaque au niveau de la cheville, vous le savez très certainement. Vous savez aussi que Courtois est dans la forme de sa vie et il était très content d'être de retour à Londres, même si l'accueil de ses ex-supporters n'a pas été génial. Et sur le terrain, Courtois, il a fait bien encore du Courtois avec des arrêts très importants et une envolée sensationnelle. Moi perso, j'ai crié sur cet arrêt tellement c'était presque un but, tellement c'était beau. Mais évidemment, l'homme de la soirée, c'est le buteur, c'est Karim Benzema, auteur d'un triplé. Le premier français de l'histoire à atteindre 10 buts sur une seule saison de Ligue des Champions. Et le deuxième joueur de l'histoire à planter 2 triplés consécutifs dans la phase d'élimination directe. Le seul autre joueur à avoir fait ça, je vous le mets dans le mille, évidemment, c'est Cristiano Ronaldo. Et dire que Benzema fait le ramadan actuellement, c'est vraiment très très impressionnant. De quoi peut-être en faire un ballon d'or, on verra à la fin de l'année. Mais d'ici là, on va filer à Stamford Bridge, retrouver nos commentateurs Mathieu Vistas et Alex Teclac qui vont nous raconter leurs impressions sur cette partie. Salut Thomas, incroyable ce que Karim Benzema nous a fait aujourd'hui. 3 buts, bien sûr, 37 buts depuis le début de la saison. Il est incroyable, il n'y a pas d'autre mot, tout simplement Alex. Oui, c'est vrai qu'il a encore, été juste incroyable, justement, en mettant des buts sensationnels. Bon, que dire de plus quand on voit la qualité de ce joueur, bon, aussi entouré par d'autres très grands joueurs. Ouais, c'est un Real qui a déjà un pied et 3 orteils en demi-finale. Le Real, candidat pour remporter cette Ligue des Champions. Je sais, Alex, que vous n'êtes pas encore 100% convaincu. Non, parce que les circonstances les ont servi aujourd'hui, mais enfin, un Real qui régale. Enfin, c'est moins le jeu de mots, mais ils ont quand même été vraiment de bout en bout. Je trouve qu'ils ont été consistants. C'est vraiment une prestation aboutie de la part du Real Madrid. Après la claque qu'ils avaient reçue il y a 2 semaines face au Barça, il y avait de quoi plutôt se rassurer. Très bien, et un super Courtois aussi, ça promet pour le match retour. C'est déjà mardi prochain. Allez, place maintenant à une autre affiche, même si c'est aussi un club anglais face à un club madrilène. Je parle évidemment du duel entre Manchester City et l'Atlético Madrid, un duel qui n'était pas toujours évident à regarder, on va pas se mentir, avec un Atlético de Madrid très, très, voire ultra défensif. Je vous le rappelle, les hommes de Simeone n'ont pas tiré une seule fois au goal, pas obtenu un seul corner de toute la partie. Et Simeone s'est fait découper sur les réseaux sociaux, littéralement. Twitter s'en est donné à cœur joie. Pour évoquer la tactique de El Cholo Simeone, on parlait de parquer le bus, ça c'est encore gentil, faire monter un mur devant le but ou jouer tous dans le goal de l'Atlético. Bref, Twitter s'est bien régalé et nous on s'est bien régalé de la prestation de Kevin De Bruyne, encore une fois essentiel à Manchester City pour marquer ce but décisif, ou en tout cas qui sera probablement décisif. Mais pour le reste des analyses et du débriefing de cette rencontre, je vous propose d'aller retrouver nos commentateurs et consultants, Quentin Volvert et Xavier Chen, qui, je pense, sont à l'aéroport de Manchester. Salut Thomas, on est à l'aéroport de Manchester. Là, oui, petit débrief de... Et oui, vous le voyez, c'est pas toujours évident pour nos commentateurs et nos consultants de nous préparer ces petits débriefings pour flashback, mais pas de souci, on y retourne. Salut Thomas, voilà, on est à l'aéroport, petit débrief de la rencontre d'hier. Bah oui, Xavier, c'était un match un petit peu particulier et on sait pas trop avec quel sentiment on doit sortir d'un match pareil finalement. Je pense que la prestation de l'Atlético n'est pas vraiment une propagande pour le football, il faut être honnête. Hein. Quand on voit qu'il y a 0 tir de la part des Madrilènes, 0 corner obtenu, ça montre bien toute l'impuissance de cette équipe. Alors évidemment on peut apprécier aussi le jeu défensif de Simeone hein, qui est parfois tout un art, mais en tout cas... Oui, il y a un mot qui ressort d'ailleurs ce matin, c'est caricature un petit peu dans tous les journaux. Bah oui, mais en fait ce qui est toujours un peu dommage c'est que c'est ne pas envisager l'aspect défensif avec l'aspect offensif de manière globale. Évidemment on défend avant tout pour ne pas prendre de but, mais également pour parfois mieux attaquer.
Et donc là, il y a cette partie offensive qui a complètement manqué hier, et ce qui a fait qu'on a eu un match assez déplaisant à voir. Alors, ce petit but de Kevin De Bruyne, est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il y a un avantage certain à City pour le retour? On sait que Simeone est capable de changer toute sa manière de voir les choses pour le retour. Oui, bah, de toute façon, il va falloir radicalement changer pour le match retour, mais c'est sûr que Manchester City était quand même sérieusement avantagé de par ses qualités et le jeu proposé. Maintenant, le but donne quand même un avantage supplémentaire. Maintenant, tout reste quand même ouvert, mais gros avantage pour City, selon moi. Merci les gars, et gros avantage aussi déjà pour Liverpool qui est allé planter 3 buts au Benfica de Jan Vertonghen. Le suspense est quasi déjà un petit peu tué dans l'œuf avant le match retour à Anfield. Anfield qui était d'ailleurs un des stades de notre traditionnelle séquence de la visite guidée des plus beaux stades d'Europe. Donc du coup cette semaine on s'est intéressé au stade des Portugais de Benfica, l'Estadio da Luz, avec deux guides très spéciaux. Vous allez le voir, Marc Delire et Kalilou Fadiga. Je ne vous en dis pas plus, mais ça vaut la peine de rester encore quelques minutes. Kali, yes. C'est top quand même, non? Top, magnifique. Ouais. Voilà, ça fait plaisir de revoir du football et de voir du beau football. Kali, tu te fais des copains ou quoi? Ok, ouais, des copains. Les anciens, les gars. Oh purée, mais je le reconnais celui-là. Celui-là aussi. Qu'est-ce que tu deviens? Les anciens sont là. Je l'ai chatouillé quelques temps. Ouais. Mais toujours avec affection. Toujours avec affection. Voilà. Hein? Toujours avec affection. Wim. Oh. Opa. Kali, ouais, t'écoutes pas Jürgen Klopp, là, il est là. Come on, coach. On va l'écouter, quand même, purée. Voilà, Kali, la civière en gros plan. Eh, ben j'espère qu'elle ne servira pas ce soir. Bon, il y a Per Friedman, tout le monde l'a reconnu. Bon, lui, je ne sais pas qui c'est. Et Kali, il y a même Stéphane Plaza. Il y a Stéphane Plaza qui... C'est au cas où vous voudrez louer le stade. Qu'est-ce que tu regardes, Kali? C'est de là qu'il va partir. Oh, l'aigle. L'aigle, il va venir se poser juste là. Tac. Ah, l'aigle de Benfica. Perso, je me demande si je préfère quand même pas la version mascotte, parce que je la trouve vraiment très sympa. Enfin bref, on va revenir quand même aussi avant de se quitter sur le résultat un peu surprise de ces quarts de finale à la Ligue des Champions. Et oui, c'est la victoire de Villarreal grâce à ce but de Tanjuma en début de match face au Bayern Munich. Victoire 1-0, de quoi préfacer un match retour très chaud, tout comme les autres matchs retour de ces quarts de finale de Ligue des Champions. Et c'est déjà la semaine prochaine. Donc on se retrouve dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.